Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Aldous, encore une en moins d'une semaine. Mais en fait, si vous voulez, il a reçu des changements qui sont vraiment incroyables. Donc il y a eu un nerf et un buff. Au niveau du nerf, c'est son ulti qui a pris un coup. En gros, il fait moins de dégâts tout simplement. Et son passif, du coup, avec ses stacks, il est passé de 450 à 650 les gars. Donc là on peut stack 650 âmes, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est énorme. Donc là du coup je le joue en expérience parce que du coup les canons, il faut vraiment que voilà que j'arrive parce que du coup je suis contre une Benedetta et ça va être un peu chiant je pense. Il faut bien que j'arrive à l'avoir lui aussi, hop là, nickel. Voilà donc là le but du coup c'est d'arriver à 650 stacks. Par contre frérot, faut pas que tu... Voilà, je vais te mettre cher. Ok, elle a plus de pétrif, ça c'est bien. Ok, il y a l'autre ici, qu'est-ce qu'il fout là lui? On se demande. C'est bon, t'as fini? T'as fini de me suivre? Ok, nickel. Donc, voilà le build. Et voilà l'emblème, voilà. Donc ça, c'est des emblèmes vraiment très sérieux. C'est pas un build de troll ni rien. Il me fait vraiment chier, lui. Pourquoi il reste là? Je comprends pas, frère. Par contre, j'ai l'impression que je perds vite de la mana, quand même. Hein. C'est assez inquiétant. Après, voilà, le but du jeu, c'est vraiment de jouer safe sous tour, de pas prendre de risques, de vraiment cancel les attaques des ennemis, les ganks. Mais frérot, mais qu'est-ce qu'ils ont à gank malaine? Ils sont trois. Le panda, il est tout le temps là, gros. Je comprends pas ce qu'il fout ici. Par contre, j'ai perdu un million. Alors, on va l'avoir, lui. Nickel. Hop là, j'esquive. Hop là, je prends la wave. Ils sont là. Est-ce que je peux avoir le... Vas-y, je vais aller sur le... Ok, on lui fait mal quand même. Ok, on l'a tué. Faut aller voir la Benedetta. Putain, j'ai plus de mana, c'est mort. On va juste aller farm tranquillement. Est-ce que je peux au moins essayer d'avoir le... Ouais, tant pis, je vais pas prendre celui-là. Je vais juste prendre le celui qui est là. Par contre, stop frérot, là, c'est bon. Voilà, nickel. En tout cas, j'espère que la vidéo avec Aldous vous plaît, les gars. Parce qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo dessus avec les changements qu'il a eu. On est en 0-0-1, du coup, comme je l'ai dit, on est à 2417 et on est à 124 de stack, ce qui est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va pas mourir normalement. Ok. Ah putain, j'ai mal fait mon. Je vais perdre le minion. Non, c'est bon, ok. Je vais essayer d'aller prendre le gold. De toute façon, les gars, en début avec Aldous, c'est ça. Hein. Le problème, c'est que. On fait déjà du moins 1877, les gars. Ça va être du n'importe quoi, je vous dis, les gars, en light. Après, j'espère juste qu'ils vont pas trop sur N, parce que vu qu'ils ont pas réussi à me tuer, on est déjà en 10-3 en kill d'équipe. Donc, j'espère qu'on va arriver en late game et qu'on va réussir à faire du sale. Donc, là, on est en build full tanky, sauf avec le cri maléfique pour vraiment avoir de la pénétration. Ok, je les stun, je lui fais des dégâts. Ok, je lui fais mal, hein. Bon, allez, je lui fais mal, frère. Est-ce que je peux la tuer? Je pense pas que je pourrais la tuer en vrai. Ok, elle ulti pour rien, elle est stun. Elle est morte, ok. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Elle joue mal la Béné en vrai. Ok, il a Vexana ici. Oh, j'ai eu un kill. Oh non, j'ai pas eu le kill. Dommage. Laisse-moi. Oh, les gars, faut me laisser les kills là. C'est un free stack pour moi. Ok, il y a Nolan. Nolan, il fait pas beaucoup de dégâts. Nolan, je crois qu'il a été nerf aussi. Il y a eu beaucoup de nerfs. Je vous invite à voir les modifications qu'il y a eu. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de persos. Il y a Mathilda qui a eu un nerf. Il y a Terizla qui a eu un nerf. Donc. Ouah frérot, bien joué de la part de l'Audora, très très bon stun, moi j'ai bien suivi aussi. Du coup on est en 2-0-1 les gars, on est à 200 stacks, on commence à s'approcher petit à petit de la moitié. Est-ce qu'elle va venir? Non, elle va pas venir quand même. Elle va pas venir quand même frérot, elle se fait démonter, je la démonte. Je la déboîte, je suis full tank, je la déboîte frère. Elle peut rien faire. Bon, on va continuer à farm tout simplement, comme d'habitude on commence à one shot les minions, ça c'est plutôt pas mal. Hop, on continue à prendre les stacks, faudrait pas qu'il me bute le truc, voilà nickel. On va continuer un peu, je faudrait juste que j'arrive à taper la minion à one shot du coup la. Enfin la stick pardon. Et je vais aller sur le Clint je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais non il va jouer safe, il va aller sous tour. Je pourrais pas l'avoir. Le AK va me cancel. Hop là, esquive. Il y a le Clint ici mais il a un dash. Oh ils sont trois ici. Moi je suis pas la front lane, hein. J'ai des items tank mais je suis pas assez tanky. Hein. Ah frérot, stop là, laissez-moi tranquille. Ok, normalement il meurt. Hop là, il me laisse le kill. Merci mon frérot. La Vexana, elle est là-bas. Bon, on va aller continuer à farm tout simplement. On va continuer à aller lastique les minions. Hop là, nickel. Hop là, on farm. On va lastique celui-là. Hop là. On est en 26, mais ils vont sur N, c'est sûr. Ils y vont trop farm, les teammates là. C'est sûr, ils vont sur N, frère. Même le niveau du shield, les gars. Enfin. Aldous, franchement, avec les 600 stacks, c'est devenu, je pense, pas l'un des meilleurs warriors, mais un warrior qu'on va revoir beaucoup plus souvent en ranked qu'avant. On va peut-être aller voir l'autre, là. Ok, bon, allez, je vais voir le Nolan. Est-ce que je peux aller voir le Nolan? Non, je pourrais pas aller voir le Nolan. Par contre, je peux aller voir le Akai. Ok, j'ai la site, le mob. Alors, là, il y a quoi? Ok.
Ok, il est mort. Ok, je l'ai stun. Ils me font zéro dégâts, frère. Ils me font zéro dégâts. Ok, ils me laissent le... Putain, mais franchement, ils me mettent bien, mes teammates. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fout, frère? Oh, le one-shot. Oh, frérot, on est full build, on one-shot. Non, ils sont sous tour, je peux pas y aller. Les gars, on est à 369 de stack. On fait grave mal, genre. Franchement, c'est abusé. J'aimerais trop arriver aussi 650 stacks pour vous dire, pour voir un petit peu les dégâts en fait. Parce que je vous jure qu'un Aldous en 650 stacks, mais c'est inarrêtable. C'est mieux qu'un Cécilion, frère. Allez, on va y aller. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose là? Ce serait bien. Frère, pourquoi je suis ralenti comme ça? Ok, on fait mal. Non, je prends cher quand même. Ok, on lui fait mal. Je prends trop cher. Je pourrais jamais faire un du 1v4 là. Heureusement que j'ai build tanky, sinon là je serais mort à 100%. Alors il y a le Clint ici qui est solo. Je peux peut-être aller voir le Clint en vrai. Après ils sont tous là. Ouais mais je peux pas, frère. Ça va me stun, ça va me taunt, ça va tout me mettre, frère. Je suis mort. Il va me ramener. Allez. Ok, je lui fais mal. Ok, j'ai le shield. Ça c'est bien ça. Pouah, frérot, on est grave tanky. Je suis mort. Ah. Je vais la tuer. Ok, nickel. Oh gros, c'est n'importe. On va commencer à prendre de la pénétration et là on va rigoler les gars. Faut pas que la game se finisse trop vite non plus, pour éviter qu'il surraine. On est en 32-6-06. Walang il gère, il est en 11-08. Mais pour le moment tout se passe bien. Je vais essayer de last hit ça. Voilà, tac. Je vais prendre les petits mobs ici. Alors attention de pas trop greedy, de pas trop grid quand même. Alors ouais, alors je sais pas où ils sont passés là. Le Dora fait mal aussi, ils sont sous tour. Donc là le but du jeu c'est juste de faire un lore et de finir la partie. Mais j'espère qu'ils vont pas le faire pour éviter qu'on finisse la partie trop vite. Hop hop, voilà nickel, on va continuer. De toute façon le plus rentable avec Aldous les gars c'est de faire les minions. C'est de clairement faire les minions. Voilà, tac, on va essayer de rapprocher ça. Voilà. Voilà, on essaie de choper deux minions avec un seul coup. Bon voilà, je l'ai pas la seed, c'est pas très grave. On est bientôt niveau 14, 6-0-6 du coup pour nous. Et puis la game va aller tranquillement. Après, faut pas les laisser trop traîner parce que ils ont quand même du late game en face. Raid est 439. On a bientôt 452 de stack. Il va me laisser prendre le raid. C'est gentil. Merci, mon frérot. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais aller là-bas juste pour me rapprocher des minions ici. Hein, pour aller plus vite, tout simplement. Hop. Voilà, tac. Bon, lui, je l'aurais pas par contre. Ouais, dommage. Je vais aller prendre le bleu ennemi. On a 460 stack, les gars. Franchement, j'espère juste dépasser les 500. Il va ramener le Harit. Je pourrais pas y aller là. Là, si j'y vais, je meurs, je pense. C'est juste... Oh, les dégâts de la Eudora, frère. Ok, il est mort. Ouais, je prends cher. Double kill. Ok, nice. Oh non. Est-ce que je peux l'avoir, elle? Vous pensez que je fais les... Non. Oh non, j'ai flash pour rien. Je pensais qu'ils allaient me laisser. Faut pas qu'ils finissent. Je vais avoir les 500 stacks. Faut juste que je farme plus. En gros, ils sont gentils. Allez, franchement, c'est pour la vidéo qu'on fait ça. Hein. C'est juste pour vous montrer les dégâts avec un build full tank avec 650 stacks, les gars. Juste pour vous montrer ça, en fait. On va aller faire le raid pour essayer de terminer les 650 stacks. Et après, ça sera fini. Hein. Après, on pourra finir la game. Par contre, faut éviter qu'elle me prenne le raid, elle, parce que sinon, ça me pétait les couilles. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Nickel. Il y a le Nolan là-bas. Je pense qu'ils sont en train de faire le Lord. Donc, faut qu'on aille le voir quand même pour éviter qu'ils le prennent. Ouais, on fait du moins 5000, les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte, on fait du moins 5000. Allez, c'est parti, on va aller sur le Nolan. Nolan va mourir, hein, je pense. Ouais. Regardez. Non. Il a trop de dash, frère, c'est trop. Trop ce perso. Ok, il y a le Clint ici. Regardez, on fait raider sur un tank, les dégâts qu'on met. Mais frère, ils ont trop de dash, je peux pas les suivre. Il aurait peut-être fallu un sprint sur le Aldous en vrai. Je peux pas les suivre, je suis à 648. Non, faut que je finisse, faut que j'ai 650 stacks, les gars. Ah, ils sont où les stacks? Putain, je vais aller faire le mob, hein. Comme ça, moi, j'ai les 650 stacks. Et on aura fini, du coup, le build, plus... ça y est, 650 stacks, les gars. C'est énorme, genre. Je veux juste aller faire un test. Ah, mes frères, mais... Entre les flameshots, les dash, les stuns, les trucs qui repoussent, c'est trop chiant, gros. Regardez, wow, les dégâts qu'on met à Béné, frère. Je pense que la game est finie, là. En vrai, je pense que ouais, la Leslie va finir la game. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
J'espère que du coup je vous aurai montré un petit peu le buff qu'a eu Aldous avec ses 650 stacks. Donc on finit pas MVP, hein. Je crois que c'est Harit qui finit. Ouais, voilà, 16-0 d'Egit. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Xelask. Ciao tout le monde.